J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Les gars, il y a pas très longtemps, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos colis pour faire une vidéo où j'ouvre vos cadeaux. Voilà. J'ai un caddie comme ça, je sais même pas si je vais pouvoir tout ouvrir dans cette vidéo. Et le pire, c'est que j'ai deux autres caddies qui attendent. J'ai trois caddies comme ça. Arrêtez, hein, ceux qui ont encore l'adresse ou quoi que ce soit, ne m'envoyez plus de cadeaux parce que j'en ai déjà trop et j'en reçois encore. Bref, les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle dans laquelle je vais ouvrir les colis que vous m'avez envoyés. Très gentiment d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont envoyé des trucs. Vous êtes super gentils, les gars, vous êtes pas obligé, mais vous avez pris de votre temps pour m'envoyer un petit truc, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup les gars. Déjà on va pas se mentir, il y a un gros colis, j'ai bien envie de l'ouvrir. C'est un colis putaclic frère. Et ben vous savez quoi, on va le garder pour la fin. Le watch time ça fait plaisir, d'ailleurs n'hésitez pas à un pouce bleu, on s'abonne, tout ça tout ça. Ok bref, commençons. Attendez, il va falloir un couteau, j'ai un couteau. Les amis, premier colis. Oh, il y a des confettis et tout. Oh là là, j'aime beaucoup ce que je vois. Ah ouais, il y a une petite lettre et tout. Alors bon, les gars, je précise dès maintenant. Les lettres, malheureusement, je pourrais pas les lire en vidéo parce que ça prend beaucoup de temps. En plus, des fois, c'est des trucs assez privés et tout. Bref, les lettres, je préfère pas les lire en vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? C'est une mini toile. C'est une mini toile de peinture. J'ai jamais vu une toile de peinture aussi petite. C'est-à-dire que c'est ça, mais en miniature. On va pas se mentir. C'est Maria. C'est Maria qui m'a envoyé ce colis. Bah, on va pas se mentir, Maria. Oh, il y a moi, Enox. Et Enox, il dit quoi? Il dit, Yuki, ça va, ma petite chouin. Ah mais y'a Yuki aussi. Mais y'a même Yuki. Mais je suis mort. Ah mais y'a... Non mais attendez, mais en fait y'a même un mini chevalet. En fait c'est de la peinture miniature. Mais non, bubblegum. Ah par contre j'ai dit aussi les gars, j'ai dit m'envoyez pas de la bouffe. Est-ce que c'est vraiment un chewing-gum de... Ah il a pas l'air d'être ouvert donc je pense que oui. Non mais les gars, ça c'est un truc, faut pas m'envoyer de la bouffe. Je l'ai dit, je l'ai précisé, m'envoyez pas de la bouffe. Et vous savez les colis ils sont restés pendant 3 semaines stockés. Donc forcément la bouffe elle peut périmer. Et aussi bah je sais pas, on sait jamais. Je sais pas ce qu'il y a dans le chewing-gum en vrai de vrai. Ok bah sinon dans le colis il reste que des confettis. Petit colis tranquille. Maria et Morgan, elles ont décidé de m'envoyer un petit dessin et tout, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, prochain colis. Allez, on prend celui-là. C'est quoi celui-là? Il m'a vendu du rêve. Attends. Mais attendez, on a un vrai bail là. Oh, attends, mais c'est incroyable ça. C'est un tableau du Dracofeu 7 de base. Attends, mais c'est trop stylé, mais qui m'a envoyé ça? Oh là là, par contre, le tableau, c'est une masterclass. Le tableau, c'est une masterclass. Mais frère, j'ai envie de le mettre dans le décor. Bon, vous voyez pas très bien, mais regardez. Dans le décor, là, à côté du disque de Jules. Magnifique. Et bah, purée, on commence avec une belle dinguerie. C'est qui me l'a envoyé? Mais y'a même pas de lettres, y'a rien. Mais ça vient d'Allemagne. Ça vient de Cologne en Allemagne. Mais attends, mais what the fuck. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui l'a commandé. C'est-à-dire qu'il a pas reçu le tableau chez lui et il me l'a envoyé. Il l'a commandé chez moi je pense. Ah oh ouais, du coup on saura jamais. Bah celui qui m'a envoyé ça tu te reconnaîtras. Merci infiniment mon frérot. Je te fais des gros bisous, t'es le boss, j'adore. Prochain colis les potes. Évidemment, mais j'ai l'impression qu'on va en recevoir du Pokémon hein. Un petit Pikachu, j'avoue en ce moment je suis dans ma période Pokémon. J'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de petits colis Pokémon. S'il peut y avoir un petit booster set de base ou un Dracofeu set de base édition 1, moi ça va hein. Ok, petit colis Pikachu, ça fait plaisir. Mais encore une fois c'est un colis anonyme. Ok ça, mais attends mais on dirait juste un carton. Oh, attendez ça a l'air stylé en vrai. What, attendez c'est trop stylé. Hello Michou, comment ça va? Attends, parce qu'il y a un dessin derrière, il a l'air incroyable. Merci pour ta bonne humeur et l'énergie que tu portes à des vidéos. Jessica, @ paperflaneur sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Attention on va découvrir le dessin. Oh non mais attends c'est une masterclass. Il est stylé sa mère. Wesh, attends il est incroyable. Alors là je suis désolé hein, Maria, ton dessin il était pas moche. Côté de ça je suis désolé mais là, attends mais c'est trop stylé sa mère. Il y a que des trucs un petit peu emblématiques de ma vie. Déjà je suis en mode, je suis habillé en mode dans le club. Je suis avec Yuki, Pano Albert, les Sims. Derrière il y a Dracofeu, il y a mon EP My Life, la pioche de Fortnite, je suis sur un cube Minecraft, le dragon de Clash Royale. Ah mais il y en plusieurs fois. Franchement merci beaucoup Jessica, @paperflaneur sur Instagram. Merci infiniment. Prochain carton, il a l'air très très léger. Ah, pour pécho. Si avec ça t'as pas de gadget, on peut plus rien faire pour toi BG. Non mais je rêve. J'avoue que ça fait la différence. Pour l'instant vous avez pas envie de me pécho, vous êtes pas attiré par moi. Il est trop petit pour ma tête. Maintenant vous avez envie de me pécho. Eh bah oui je sais. Non mais je sais, je garde ça parce que ça me permet de pécho. On a un colis bien fracassé là. Je sais pas ce qui s'est passé là. Oh, je sais c'est quoi. Oh, c'est stylé. C'est une plaque transparente en mode Spotify. Merci mon pote. Wesh le Mich, aujourd'hui petit cadeau pour ta vidéo. Je suis Léane. Et bah merci beaucoup Léane.
Il y a vraiment vraiment beaucoup de cadeaux hein. C'est un truc de fou. Oh là, non mais alors ça. Non mais ça, ça va être impossible à ouvrir. Tu m'as remis dans le mouvement Pokémon. Bah ça fait plaisir. Elodie, signé Elodie. Merci beaucoup Elodie pour ton petit colis. C'est quoi ça? Oh, c'est trop stylé. Il y a une pyramide avec un Pikachu. Attends mais c'est trop bien fait. Il y a une batterie et ça s'allume. Faut que je teste dans le noir. Oh, mec c'est une dinguerie. Et à l'intérieur il y a Pikachu. Mais gros c'est trop stylé. C'est trop bien fait. On passe au prochain vol. Tiens, tiens, tiens. J'ai du mal à deviner ce que ça pourrait être ça. C'est clairement une planche de skate hein. Il y a une petite lettre avec « Salut Michou, j'espère que tu vas bien, que cette planche te plaira. » Ah la spoil. « Je m'appelle Mila. » C'est Mila, merci beaucoup Mila. Je crois que je suis du mauvais côté. Oh, oh mais c'est une planche Persona. Mais c'est trop stylé sa mère. Je suis choqué, même la texture et tout, quand tu touches, c'est un peu pailleté, ça fait trop stylé. Magnifique. Michou, wesh, BG, j'espère que tu vas bien. J'ai ouvert mon entreprise de réplique de disques d'or. Mais non. Oh mais attends mais c'est réplique de disque d'or. Alors Fier n'a toujours pas le disque d'or les gars. Mais elle est pas loin hein. Je vous jure que ma musique Fier, je crois là genre 11 millions de streams sur Spotify, un truc comme ça. Il faut 15 millions. Les gars je vous jure que sur Fier on est pas loin d'avoir le disque d'or. Donc n'hésitez pas à aller streamer Fier. Je pense que si tout le monde là qui regarde cette vidéo il stream Fier deux fois, on a le disque d'or sur Fier. Sur Spotify ou Deezer ou tout ce que vous voulez. Les gars je compte sur vous. Oh mais attends mais c'est stylé. Oh je valide fort. Disque d'or remis à Michou. Très très stylé, très très stylé. Alors c'est pas un vrai disque d'or parce que les vrais disques d'or c'est des vinyles tu vois. Mais j'aime beaucoup. Merci beaucoup les gars pour le disque d'or du coup. Celui-là il a l'air blindé hein. Ça je reconnais, c'est un colis avec tout et n'importe quoi. Colis by Pierce. Oh Dracaufeu Shiny. Dracaufeu Shiny. Par contre j'avais raison les gars hein. C'est clairement un colis avec tout et n'importe quoi. Voilà. Ça a l'air d'être un baiser de ça là, les bombes de peinture. Regardez, la bombe de peinture autour, bah il y a de la bombe de peinture. Il y a un espèce de casque audio avec de la bombe de peinture. Il y a quoi dedans? Oh, il y a un booster Pokémon. À tout moment, il y a Dracaufeu Shiny. Hein. Mais même les cartes, il les a customisées, frère. Un Seribou. Oh ouais, donc, ok, d'accord. Donc là, c'est même plus une carte Pokémon à partir de ce moment-là. Oh, ça, c'est stylé ce qu'il a fait. Mais même la canette de Coca, il l'a customisée à mort. Oh, il y a des crampons. Merci pour les crampons. Oh, par contre, ils sont très stylés. Hein. Mais il customise vraiment tout lui-même, le frérot. Merci, mon pote. En vrai, c'est original comme colis. T'as mis vraiment de tout et n'importe quoi, mais toujours dans le même thème. Ça fait plaisir. Alors ça, c'est un yaourt à boire Dracaufeu, frère. Ça doit se revendre hyper cher sur eBay. Coucou Michou, je t'ai volé des cartes à mon travail McDo. Ah, oh, mais non. Le frérot, il travaille au McDo, il a volé des boosters pour moi. Mais c'est un malade. Tu as aussi un thé glacé italien pour te rappeler tes origines. Ah, mais c'est un truc italien. J'ai dit que c'était un yaourt à boire, mais en fait, c'est un thé glacé. Attendez, parce que du coup, on a du booster à ouvrir, les gars. 1, 3, 6. On a 6 boosters Pokémon à ouvrir. On va les ouvrir. Vous savez quoi? On va les ouvrir, ça part en opening Pokémon. Objectif avant Pikachu. Ah bah on commence avec Pikachu. On commence avec Pikachu. Mais du coup c'est pas Pikachu brillant. Gobu. Et derrière attention à la carte brillante. Pikachu, Pikachu, Pikachu. L'armée Léon. Quistempo. Kaiminus. Oh c'est jaune. Let's go. En deux boosters. Le Pikachu holographique. Mais attention, on va le mettre sous sleeve. Non mais attendez, incroyable. Les 4 boosters Pokémon là, je les garde. Et bah purée les gars, ça fait plaisir. Ouverture de colis riche en émotions. Là, on a un colis. Oh, il est lourd. Ok. C'est quoi ça? Oh, Yumi. What the fuck? Oh, j'ai l'impression que ça va partir en dégustation, cette histoire. Ah mais attendez, mais c'est trop stylé. Petite box découverte de produits américains et japonais disponible chez Oyumi. C'est clairement une marque qui m'a envoyé tout ça. Bah ça fait plaisir. C'est une dinguerie les gars. Il y a même des boosters Pokémon. Du coup j'ai tout rassemblé. Alors déjà les gars j'ai soif. Donc vous savez quoi, on va commencer par ça. Attends mais what the fuck. J'arrive pas à l'ouvrir. Gros comment ça s'ouvre frère. Ah mais putain il y avait une notice. Attendez je crois que c'est avec ça. Ah ouais le bouchon tu le coupes en deux. Tu le mets là et t'appuies. Oh, oh. Mais bon ça me fait peur hein. On dirait vraiment que ça mousse et tout frère. Ça a l'air d'être un truc à l'ananas. Et j'adore l'ananas. C'est gazeux. C'est bon gros. Très stylé hein. Le jus d'ananas gazeux. En vrai je suis dégoûté qu'il n'y en ait pas en France. C'est une masterclass. Très très stylé hein. Goûtons ça là. Les Cheetos. Oh c'est des gâteaux apéro. On dirait les curly au fromage en vrai de vrai. C'est des curly au fromage. C'est exactement ça. Mike and Ike. Ok c'est des bonbons goût fruits des bois. Ah mais c'est énorme. C'est tout mou, un peu comme un dragibus. J'aime pas trop, on dirait qu'il y a un petit goût de médicament. Ok, prochain truc, venez on goûte la boisson Avenger là. On va goûter la petite boisson Avenger. Je suis vraiment en train de prendre le goûter avec vous les gars. Ça a l'air d'être une boisson énergisante, non?
Ça sent la fraise un peu. Attention, goûtons. C'est gazeux. Ça a le goût de plein de fruits en même temps. Ah mais ouais, il y a des vitamines en plus, donc c'est vraiment une boisson énergisante, hein. Je vous avais dit que c'était gazeux. C'est quoi ça? Oh, il y a des Jelly Belly. C'est du Jelly Belly au piment. Ok, je veux un petit piment rouge. C'est un Carolina Reaper. C'est au piment, du coup. Oh, bâtard. Oh, ah. Ah. On le colle aux dents. Ah. Le truc, il a à peine touché ma langue. Ah, prochain truc. On a des Choupa Choups. On dirait de la barbe à papa. Ah, mais c'est ça, en fait. C'est de la barbe à papa qui devient chewing-gum. Attends, mais je rêve. Mmh, Romain. Mais attendez, c'est incroyable. Oh, ça, non mais ça je vous le dis. Regardez, il y a qui quoi? Carolina Reaper. Ça c'est mort. Attendez, venez, on ouvre. Juste pour voir. Mec, c'est un piège, hein. Tu vois les biscuits apéro au fromage là? Bah mec, ça on dirait la même chose. Venez, j'essaye de piéger un mec à Webed. Attendez. Ok, les gars, on est avec Noah, yes, le frérot. Bah oui, c'est vrai que c'est le bordel. J'ai reçu des trucs japonais que je goûte. Il y a un truc au fromage, j'arrive pas à décrire le goût. D'ailleurs, les gars, je voulais même pas le présenter, c'est Noah, c'est un youtubeur, tiktoker et tout. Tiens, gros, j'arrive pas à décrire le goût. Attends, déjà, c'est piquant. Non, mais ça pique un peu. Gros, c'est un mélange entre des carottes salées, genre. Quoi? Mais je te jure, gros. Mais t'as vu, c'est bizarre. Mais c'est super bizarre, mais genre. T'as vu, il est bizarre le goût, là. Mais c'est vraiment des carottes salées au fromage. Ah ouais? Genre, un mec, il s'est réveillé un jour et s'est dit, vas-y, gros, on fait des carottes salées au fromage. Gros, tu sais que t'as pas mangé ça, hein. T'as pas mangé un truc au fromage, hein. T'as mangé ça. Attends, j'ai une explication. Que t'as fait? Ouais, ça va, c'est piquant encore. Du coup, je me suis dit, je vais faire le bonhomme et tout. Si il trouve ça, genre, pas trop piquant, ça passe bien. Ah, donc ça t'arrache. Mec, ça arrache, mais je me suis dit, tu vois, genre, il fait le mec, donc je vais pas faire. Il faisait le mec qui pique pas. Genre, si tu veux, il y a du coca goût café. Moi j'aime pas. Sûr, hein. Si t'aimes bien le café, frère. En fait, moi j'ai goûté un Jelly Belly goût Carolina Reaper. Il était fort. Mais mec, le Jelly Belly, tu veux goûter? Vas-y, balance. Mec, vraiment ça. Là, t'as des couilles, hein. Je peux le cracher où? Oh frère, ça a rien à voir avec les chips. Du coup, tu veux décrire le goût quand même pour les abos? Du coca? Ouais. Ah mec, je sens plus les. Ok, bon du coup on l'a bien niqué. Mais gros, le Jelly Belly, je vous avais dit hein. Prochaine boisson, mais c'est ce que j'avais goûté dans mon road trip ça. J'avais goûté Gulichi et c'était grave bon dans le road trip. Rappelez-vous-en les gars. Je vais te dire si t'as le seum que j'ai pris une vitelle ou si t'es content. C'est une dinguerie, gros. Ah, ça va être bon. Oh, t'as trop le seum. Ok, et du coup, là, c'est la même boisson, mais goût myrtille un peu. Et ben, on va goûter, les gars. Et bah, ça, encore une fois, ça m'a pas déçu. Je bois une myrtille, frère. Bah, c'est quoi cette canette? On va la goûter, hein. C'est une canette goût Pokémon. Comment ça, goût Pokémon? Je comprends pas. Ça sent l'herbe. Mais genre, vraiment, la pelouse. Oh, c'est dégueulasse. Ça a le goût de concombre. Oh, c'est dégueulasse. Ah mais ouais, c'est goût concombre. Ah mais Pikachu, il goûte le concombre. Dégueulasse, wesh. Eh, mais on a encore les boosters. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va ouvrir les boosters japonais, on va bien voir ce qu'on a. Si j'ai rien eu, c'est coupé au montage. Maintenant, on passe au prochain colis. Prochain colis, alors. Salut Michou, je te suis sur les réseaux sociaux depuis très longtemps et franchement, je kiffe mater tes vidéos. Il s'appelle Tom, merci beaucoup mon petit. Oh. Petit t-shirt de l'Inter de Milan. C'est du M. Alors M en vrai c'est un peu grand pour moi, mais comme c'est un t-shirt de foot, ça devrait passer. Bah du coup ça fait plaisir mon petit homme, mais je suis pas forcément fan de ce club. Je sais pas pourquoi tu m'as envoyé ce club. Attends, en plus il est neuf. Il va bien avec ma paire et ça c'est cool. Mais tu aurais dû choisir un autre club, frérot. Une boîte dans une... Ouh, il y a un Dracaufeu. Salut Michou, la quête au Dracaufeu Shiny est compliquée. Je te l'envoie donc. Ah c'est une ma... Oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Une manette de PS... Attends, c'est une manette de PS5 en plus, hein. Une manette de PS5 customisée Dracaufeu. C'est ma manette préférée. Mais elle est trop stylée en plus. Mais elle est vraiment trop... Elle est quali de ouf. Bon, je te l'envoie donc... Ah, j'avais pas lu après. Je te l'envoie donc, non, pas sa carte, mais sur cette manette que tu aimeras, j'espère. Si la console a besoin d'être associée, je suis disponible. @Rico-Custom. Bah, merci beaucoup, mon petit Rico. Mais non, t'inquiète, ma PS5, je vais la garder blanche. Mais trop stylée. Ça fait 2 heures que j'ouvre des colis. C'est vraiment abusé. Oh, nous avons des sapes. Oh bah je dis oui. Mais en plus celui-là je l'ai en violet. Mais attends, mais c'est une dinguerie. C'est du S. Bah, c'est parfait. Alors là je le mets directement. Mais attends, mais il y en a un autre. Bah, attends, mais c'est un t-shirt Nike. C'est un t-shirt Air Jordan Nike. C'est incroyable. Qui m'a envoyé ça? Amandine. Amandine, merci beaucoup. Il y a des meufs qui m'envoient des trucs ou quoi là? Attendez, on va changer quand même.
Oh, let's go. Mais il est trop stylé, frère. Et les gars, malheureusement, c'est déjà l'avant-dernier colis. Encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des trucs. Et il y a des gens, vous avez vraiment du talent. La planche de skate customisée, la manette customisée. Enfin, il y en a, vous êtes trop forts pour customiser de tout. Ok, qu'est-ce qu'on a dans ce colis? Oh là, j'ai l'impression que c'est un colis un peu de tout. Ah, mais il y a des colis pour chaque personne. Ah, mais il a fait des trucs pour chaque crouton. Le bouseux. Mais attends, mais je rêve, il est où mon colis, là? Valouze! Y'a plus rien! Salut Michou, j'ai vu ta story Instagram, disait qu'on pouvait t'envoyer un colis. Alors voilà, je suis jeune créatrice, c'est très compliqué de se faire connaître pour vendre des créations. J'espère que tout te plaira ainsi qu'aux autres. Valouze, le bouseux. Et de toute façon, elle a envoyé à moi le colis. Je m'appelle Marie, j'ai 27 ans. C'est très gentil Marie. Merci infiniment Marie pour ton colis. Elle m'a fait un petit truc personnalisé du coup, rien que pour moi. Je comprends pourquoi il y avait écrit Valouze. C'est un décapsuleur de... Mais du coup, c'est un truc qu'elle a fait elle-même en résine. Les gars, son Insta, c'est babystocha05. Voilà, n'hésitez pas à aller lui envoyer de la sephore, les gars. C'est elle-même qui a fait les objets. Et du coup, je vais ouvrir l'objet pour Pité aussi, tant qu'on y est. Elle envoie des objets pour les croutons, elle envoie même pas pour moi. Non, mais on est où? C'est un peigne à cheveux. Alors bon, je bien être gentil, hein. Faut m'expliquer c'est quoi et à quoi ça sert, parce que je trouve ça vraiment hyper moche. Je sais pas si c'était dédié à qui, c'était peut-être ça qui était dédié à moi en fait. Dernier colis. Oh, il est lourd sa mère. Non mais attends, mais il y a un PC dedans, c'est pas possible. Oh, mais même ça c'est hyper lourd. What the fuck. Du coup on avait un carton dans un carton. Je déballe et il y a encore un carton. Oh, attendez, attendez. Il m'a envoyé de la cocaïne ou c'est comment là? C'est comment ça? Bizarre, hein. En fait, c'est une marque qui m'a envoyé ça, je sais pas. Attendez, mais les gars, il m'a envoyé trop de sap. Forever Vacation, ouais, c'est clairement une entreprise. Oh, mais il m'a tout envoyé, en fait. Mais il m'a envoyé en L. Non, mais là, c'est une robe. C'est quoi, ça? Attendez, mais il m'a envoyé des bouteilles. Et je veux une lettre pour comprendre, là. Citron glacé. Oh, ça a l'air bon, ça. Bon, là, c'est pas très frais, mais goûtons. Très bon. Mais attends, mais encore une bouteille de citron. Allez, hop, c'est bon. Hop, j'ai un petit bob. Ok, c'est quoi ça? Ouvre-le en vidéo. Oh là. Oh, mais c'est un booster. Non, mais les gars, les boosters Pokémon, faut arrêter de m'en envoyer. Après, toutes mes vidéos, ça va être en rapport avec Pokémon. Pourquoi il y a un top loader? Moi, là, je me dis, si dans ce booster, on a une ultra rare, c'est bizarre. On va l'ouvrir. Monsieur Mime de Galar. Bah oui, attendez, il y a un problème là. En effet, c'est un booster truqué. Le booster est japonais. Les cartes sont françaises. Si on a une dinguerie, c'est de la triche. La mise sur Insta. Mais bon, du coup, j'ai peur. Dragon Vagine, Dragon Vagine. Oh, ça brille. Oh. Oh, trop stylé. Mais non, c'est une carte Pokémon Michou Inox Tag. Je comprends le top loader. C'est une dinguerie. Michou Inox Tag GX. On attaque YouTube 160. Mais je rêve, dans le carton, il reste deux sachets. Il y a une bague. Mec, ils ont bien choisi ma taille de doigt. Bon, du coup, par contre, c'est pour le fuck. D'ailleurs, il y a encore un truc. En espérant que ce soit un collier. Si c'est un collier, je dis oui. C'est clairement un collier. Let's go, j'ai réussi à le mettre. Oh, il est stylé en vrai. Oh, il y a un QR code. C'est peut-être l'explication à ça. Forevervacation.com. Salut, normalement t'as reçu ce colis. Trop stylé, ça me redirige vers une vidéo et tout. Mais c'est une dinguerie, frère. Ils vont faire quoi? Ils vont m'expliquer le colis, un truc comme ça, non? Salut, normalement t'as reçu ce colis que t'as dû ouvrir si t'es tombé sur cette vidéo. Sinon c'est vraiment bizarre. On a notre local où on fait plein de trucs. Ok, ça part en vraie présentation. Là, ça part en OP. Hein. Normalement, faut me payer pour ça. Hein. C'est trop chiant. Là, il y a Arthur qui prépare des limonades que t'as dû, j'espère, goûter. T'inquiète pas, c'est pas un truc empoisonné. Il va t'expliquer un peu ce que c'est. T'inquiète pas, c'est pas empoisonné, il a dit. Mais attends, parce que. Attendez. Parce que là, la vidéo, elle est bientôt terminée. Moi, je veux comprendre la poudre blanche. On t'a même envoyé un kit teinture qui est pas encore sorti. Tu peux colorer toi-même ton t-shirt et tout. Il y a des notices et tout. Un kit teinture? Ah, mais ça doit être ça donc. Ok, bah ça fait plaisir. Merci les gars pour cette petite vidéo explicative. J'espère, je vous envoie de la force pour votre projet. J'espère que ça fonctionnera comme il faut. Et ben, les gars, j'ai l'impression que cette vidéo touche à sa fin. Sachez que pour moi, ça fait 3 heures que je tourne. Et surtout, le studio est dans un état pas possible, frère. J'en ai vraiment pour, je pense, une heure de rangement. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. En tout cas, pour moi, c'était bien évidemment un plaisir d'ouvrir vos petits cadeaux. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont eu le courage, qui ont eu l'envie de m'envoyer des petits cadeaux, des petits colis. Merci infiniment, c'est très gentil. On a eu des beaux cadeaux. Il y a vraiment des gens qui ont vraiment du talent dans mes abonnés. Et puis voilà, moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, on n'hésite pas. On met un pouce bleu. On s'abonne si c'est pas déjà fait. Et dites-moi si vous voulez. Mais je pense que vous voulez. Mais de toute façon, je le ferai parce que j'ai encore deux caddies qui m'attendent. Plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao les boys. Mouah.